Je m'appelle François Debien, je suis céramiste. On s'est installé ici avec ma femme Catherine, qui est céramiste aussi, il y a à peu près 25 ans. J'ai appris dans un atelier à Paris, où il y avait des très bons potiers qui avaient eux-mêmes appris leur savoir d'un grand potier japonais. En Extrême-Orient, l'approche de la céramique est quand même assez différente des pays européens. Au Japon, on est très attaché à l'intériorité, à la beauté intérieure, alors qu'ici, en Occident, on va plus se contenter des apparences. Dans mes décors, c'est déjà d'exprimer quelque chose qui vient de ma propre intériorité. J'ai besoin que ça soit quelque chose qui de tout à fait personnel. Je fais beaucoup de paysages. Je fais aussi beaucoup de décors aquatiques. Et ça me permet beaucoup de liberté parce que c'est un monde qui n'est pas le nôtre et qui est très très beau. Je m'impose rien de spécial. Donc je me laisse aller un petit peu à ce que j'ai envie. Donc je peux partir dans une direction, puis repartir dans une autre, parce que ça me fait plaisir. Puis tout d'un coup, je pense à un oiseau, donc je vais mettre un oiseau. Et puis tout d'un coup, je me dis, ah oui, mais là, je vais repartir ailleurs. Et c'est ma façon d'être. Si t'es juste, que tu partes dans un sens ou que tu partes dans l'autre sens, t'es bon au bout du compte. On se projette toujours dans les futures cuissons, quoi, dans la prochaine cuisson. Quoi. Voilà, on se dit toujours qu'on va faire des très bonnes pièces. Quoi. Si un pot est réussi, c'est qu'il a une âme. Sinon, il n'est pas vraiment réussi. Et ça, c'est en vivant avec. Les gens ressentent qu'il y a une âme ou pas. Après, tu peux le faire de 10 000 façons, ça a une âme ou ça n'a pas d'âme.